dangereux. Est-ce parce que tu roules vite? Oui. Comment dis-tu ne faut pas rouler vite? Ok, je vais parler bien pour toi, ok? Ok, Claire. Ça, c'est mon garçon. Sabi, j'ai apporté une glace pour toi. Waouh! Merci, merci mon garçon. King! Combien de fois t'ai-je interdit de ne pas sauter de la voiture si elle n'est pas encore garée? Ne t'ai-je pas averti? La prochaine fois, tu ne descends pas de la voiture tant que je n'ai pas garé. M'as-tu compris? C'est ça que tu cherches. Oh! Oh, oh, regarde ta bouche. Viens là. Appelle-moi oncle Sabi, d'accord? Et as-tu compris ce que papa a dit? La prochaine fois, ne saute pas de la voiture quand elle roule encore, ok? Cool. Maintenant, où est cette glace? C'est celle-ci? Ça te dérange pas pour moi nourrir? C'est très bon. S'il te plaît, retire les sacs de la voiture. Je suis d'accord, à monsieur. Oh, chérie? Chérie, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Mon ventre. Mon ventre fait mal. Tu ne te sentais pas très bien et t'es rentrée dans ta chambre. Allez bébé, mais tu prends trop de risques. Il n'y a que Doré et moi dans cette maison. Que veux-tu qu'elle fasse? Appelle-moi. Bébé, t'appeler? Alors que je sais comment tu conduis quand tout va bien. Tu t'attends à ce que je t'appelle pour te dire que je ne me sens pas bien pour que tu atterrisses ici comme un avion. Ah, s'il te plaît, amène-moi chez le médecin. Oh, chérie, tu... Oh. Viens. Maman, je suis de retour. Ah. Comment vas-tu? Comment était ta sortie avec papa? Bien. Oh, viens, viens là, mon garçon. Maman ne se sent pas très bien. Donc, tu passeras du temps avec tonton Sabi pendant que j'amène maman voir le docteur, ok? Sois très sage, d'accord? Ça, c'est le garçon. Sabi, s'il te plaît, prends bien soin de mon fils pour moi. Nous sortons. Ok, tu peux partir. Désolé. Désolé, désolé. Vraiment désolé. Sabi? Monsieur? Prends soin de mon fils. D'accord.
Ne vous inquiétez pas. Et aussi de la maison. Ok. Bien sûr. Ok, allons-y. Courage, madame. Sabi, c'est quoi avec do? Est-ce mon nom? Je t'ai dit, je m'appelle pas do. Je m'appelle Dora. Si. Et je t'aime. Sabi, je te l'ai dit, ce n'est pas le temps pour toutes ces choses. C'est un problème. Dodo, prends soin du King, je vais arroser les fleurs. Mon garçon, reste avec Dodo. King? Allons-y, allons à la cuisine. Non. Ah, King. Ok, je prépare du poulet. J'espère que tu aimes du poulet. Yeah! Bon garçon, tu dois marcher. King, tu as fini ta glace tout seul. Bébé. Ouais. Bébé, qu'est-ce que tu as mangé? Ah oui. J'ai mangé du riz, mais King a refusé de manger. Dieu merci, il a pris une glace. Je ne sais pas, mais... Es-tu certain de pouvoir conduire? Je dois vomir ce truc. Peut-être que je devrais enfoncer ma main dans ta gauche, comme ça tu pourras le vomir. Honnêtement, bébé, tu n'as aucune idée de ce que j'endure maintenant, mais j'irai bien. Désolé. D'accord, pourquoi ne pas te garer et me laisser conduire? T'inquiète pas, j'irai bébé, bien. Bébé, laisse-moi conduire, non. Tu ne devrais pas conduire. Ah, bébé, arrête de rouler si vite. Tu ne peux pas rouler vite dans cette condition. Ralentis, s'il te plaît, bébé, ralentis. Tu roules très vite. Ça ira, t'inquiète. Bébé, ralentis, s'il te plaît. Oh mon Dieu. Pourquoi es-tu si agité? Savi, monsieur et madame ne sont pas rentrés. Es-tu sûr qu'ils vont bien? Donc, veux-tu que mon garçon commence à pleurer maintenant? Parce que sa mère n'est pas encore rentrée. Tu veux qu'il commence à pleurer? Reviens! Exagération. Frimeuse, tu me demandes si elle va bien. Ne fais pas attention à elle. Je fais ça pour toi. Tu aimes? Oui, fais le voler. Je le fasse voler? Oui. T'es sérieux? T'es oui. Sûr? Oui. Regarde. Yeah. Allez, donne-moi 5. Voilà. D'accord? Wow, ça c'est mon garçon. Allô? Terminé. Les victimes de l'accident semblent être en couple. Les deux se trouvent dans un très mauvais état. Préparez le personnel de l'hôpital. Nous les amenons maintenant. J'espère que vous êtes prêts de votre côté. Nous les amenons maintenant. Terminé. Allez, allons-y.
Oh mon Dieu. Sabi. 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 Oh mon Dieu. Oh. Quoi? Sabi. T'as eu un mauvais rêve? Monsieur, madame, j'ai entendu qu'ils ont eu un accident et ils sont morts. Hey, et... Te raconte pas de bêtises. Je veux pas réveiller ce garçon avant que sa mère ne rentre. Quoi? Sabi, qu'allons-nous faire? Viens. Oh mon Dieu. Viens, 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 viens. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment t'as eu cette nouvelle? Qui te l'a dit? Quand? Hein? Le téléphone fixe a sonné. Et j'ai décroché. Je croyais que c'était madame. Mm-hmm. Parce que... elle m'appelle toujours le soir pour me dire ce que je dois cuisiner. Ok. Puis j'ai entendu une voix étrange. Oh mon Dieu. Une voix très triste. Ils m'ont dit que le patron et sa femme étaient impliqués dans un grave accident. Le patron a perdu contrôle et la voiture s'est renversée. Et... oh mon... oh mon Dieu. Oh Seigneur. Oh mon Dieu. Ouais. Si tu ne conduis pas une bonne voiture, tu vas croire que ces routes sont pires qu'elles ne le sont. Mais ces routes ne sont pas mal du tout. C'est juste une bonne voiture qui te fait avoir une conduite calme et douce qui pourra te percer de partout. Comme un gonflé. Donc je ne sais pas si c'est une mauvaise route rendue bonne par une bonne voiture ou quoi. Mais tu as besoin de ce genre de voiture pour faire ce genre d'expérience. Oh oui! Oh, je ne sais pas. Tu sais, le truc c'est que si tu vis une belle vie, tu vis une belle vie. Peu importe l'état de la route. Oui. L'état de la route n'est pas important. Laisse les plaintes aux pauvres. C'est eux qui ont l'hypertension artérielle. Sérieusement. Mon cœur, ce n'est pas notre problème. Pas du tout. Profite juste de ta vie. Oui. C'est comme ça qu'on fait. Chabi, pourquoi tu pleures? Est-ce que tonton t'a frappé? Non, je ne pleure pas. L'air qui sort de la clim affecte mes yeux. Désolé. Thank you.
Frère Robert, dès que je repars aux États-Unis, je déposerai les papiers pour adopter Kim. Olsen viendra vivre avec mon mari et moi. Nous devons prendre bien soin de lui. Nous devons très bien l'élever. Ouais. Très attention de ta part. Oui. Tu sais que ça ne sera pas fait à l'immédiat. Ça va prendre un peu de temps. Je sais. Tantine Vanessa, je vais rester avec Sabi. Le voilà là-bas. Va le voir, d'accord? Sabi, pourquoi danse-t-elle avec la photo de maman et papa? Maman et papa sont partis. C'est pour cela qu'elle danse avec la photo. Quand vont-ils rentrer? Personne ne sait quand est-ce qu'ils vont rentrer. Ils sont allés au ciel pour voir Dieu. Ok? Sur moi, bébé. Oui, je sais. I feel good. Na 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 na. I knew that I would now. I feel good. Tu peux compter sur moi, bébé. I knew that I would now. Tu peux compter sur moi, bébé. So good. So good. So good. So good. Nous avons une nouvelle maison. Nous avons une nouvelle maison. Oui, bébé, dis-le plus fort. Nous avons une nouvelle maison. Oh, avec une très grosse voiture. Tu auras la petite. Non, tu auras la petite. Mais elle est jolie. Allez, entrons. Je peux déjà imaginer à quoi elle ressemble. Je l'ai déjà fait. Nous y allons directement. Directement? Oh oui. Dans le lit pour une visite. Tu sais quelque chose? Ouais. Tu le sais. King, ne sais-tu pas comment saluer? Quand tu vois ton oncle, tu dis, tonton, bonjour. Dis-le, bonjour. Bon après-midi, tonton. Voilà mon garçon. Ouais. Tu vois qu'il salue maintenant parce que tu le lui as appris. Oui. Dans cette maison, on ne lui apprend rien du tout. Ok,
Maintenant, la chambre des parents est de ce côté. Ok. Hein? Ouais. Amène tes effets. Allons-y. D'accord. Quand tu vois ton oncle, apprends à dire bon après-midi, tonton. Dis bon après-midi. Désolé. Bon après-midi, monsieur. Où est Sabinus? Je n'ai pas arrêté de klaxonner au portail. Bip, 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 bip. Personne pour l'ouvrir pour moi. Si c'est que je n'avais pas pris une clape à l'enterrement de mon frère, je serais encore là jusqu'à présent. Je pars dans la chambre de Thompson. Je vis maintenant ici. Bien. Sa chambre, c'est ma chambre. Grand homme. Monsieur le bailleur. Grand garçon. Où étais-tu passé depuis que je klaxonne au portail, bip, bip, bip? Ah, bonjour, tonton. Tonton, j'étais à la douche. Et depuis que mon patron est mort, nous n'ouvrons plus le portail. Sabinus, à partir d'aujourd'hui, commence à ouvrir à tout moment. Quand je vais klaxonner, bébé Pim, au portail, et quand je viendrai d'en haut, ce beau petit garçon King, c'est mon neveu. Il est de ma responsabilité de l'élever à être à la tête de cette maison. Comprenez-vous cela? Dorénavant, je vis ici, et voici ma nouvelle adresse. Dorénavant, je ne bouge pas. Maintenant, allez dans la voiture, tous les deux. Et ramener le reste des valises. Nous sommes venus équipés. Oui. Laisse le sac. Ils vont l'amener en haut. D'accord. Allons-y. Emmenez-le à l'étage. Oui. La nouvelle chambre nous appelle. Ah, mais ton frère avait vraiment de bons goûts. Un très bon goût. La chambre nous appelle. Elle nous appelle. Waouh. Ouais. C'est vraiment joli. Ouais. Nous allons faire quelque chose ici. Mon frère a écrit ceci? Il a écrit chaque mot, avec sa main, et il a signé. Pas un, pas deux, non plus trois. Il a tout légué à son fils et à sa femme, et rien pour moi, son frère. C'est ainsi que le monde est cruel? Hey! Ne dites pas cela, monsieur Obed. C'est lui qui l'a écrit. Peut-être, laissez-moi lire sur ma copie. Dans le cas où je mourrai, et si ma femme se remarie ou se prouve d'être incapable, alors mon frère et ma sœur seront en charge de mes propriétés et les géreront jusqu'à ce que mon fils ait l'âge de 18 ans. Et pour cela, mon frère et ma sœur seront placés sur un salaire mensuel pour les retombées obtenues sur le bon investissement qu'ils ont fait avec l'argent et également les loyers et bénéfices de mes propriétés. Kai! Moi, au père des Tom, placé sur salaire mensuel, si je travaille dur, l'acheter. L'acheter. Calmez-vous, monsieur Obed. Je ne peux pas accepter cela. Hein? Maintenant, dis-moi, qu'allons-nous faire de tout ceci? La question devrait être, qu'est-ce que tu vas faire de ça? Tu es l'homme ici. Alors tu es soit le chien, soit le lion. Bien sûr que je suis le lion. Alors comporte-toi comme tel, bon sang. Parfois, le lion ne sait pas trop quoi faire. Dis-moi, que dois-je faire? Oh, Obed, regarde autour de toi. Regarde autour de toi. Qui est ton vie? Qui t'empêche d'avoir tout, Obed? Dois-je tout te dire? Dois-je tout faire? Oh, entre avec ce stupide plateau et arrête de fracasser ma porte. Bonsoir, oncle Bête. Bonsoir, tante Julie. Bonsoir. Tu veux du pain? Non, merci. La soupe d'œuf? Des biscuits? Oh, Bête. Un garçon de 3 ans qui aura 4 ans t'empêche d'atteindre ton paradis?
Ce garçon ne peut-il pas mourir? Écoute, s'il meurt, ta sœur Vanessa vit aux États-Unis. Elle ne laissera pas son mari pour venir discuter des biens ou un héritage avec toi. Non! Elle est à l'aise. Tout ceci t'appartiendra. Si nous dormons sur ce lit, tu ne sentiras pas comme si tu dors sur des épines. Oui, oui. Nous devons agir le plus rapidement possible. Exactement. Avant qu'elle ne rentre des États-Unis. Elle l'amène là-bas, il grandit et revient ici pour posséder de tout. C'est justement de ça que je parle. Exactement ce que je disais. Décidons maintenant de ce que nous allons faire et comment le faire. Je ne sais pas. Je n'ai jamais tué avant. Oh, donc j'ai déjà tué, n'est-ce pas? Non, écoute, je t'ai averti de ne plus utiliser ce mot, tuer. Ça me fait me sentir bizarre. Disons juste, débarrassons-nous de lui. Regarde, je viens de quelque part et je ne peux pas aller en arrière. La souffrance là-bas est énorme. Je ne peux pas y retourner. Je peux tout faire à partir de cet instant, avant de mourir. Et quand je serai vieux, je prierai mon Dieu pour le pardon. Écoute, s'il meurt soudainement ou disparaît soudainement, nous serons dans les problèmes. Cherchons des méthodes et moyens pour le rendre malade et... De l'hôpital, boum, il est parti. Ouais. Quelque chose qui va le tuer lentement. À petit feu. Ah. Ah. Obed, que penses-tu de ces céréales? Nous pouvons les mélanger avec quelque chose et les donner à ce Sabi de le nourrir avec. Oui. Et ça prendra du temps. Ça marchera doucement. Mais disons 2 mois. Boum. Il est parti. Ouais. Tout le monde pensera que parce que ses parents lui ont tellement manqué, il est mort de tristesse, il est mort de dépression, il est mort de... Bon, pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? Ou tu veux qu'on retourne dans cet appartement à une pièce, dans cet outil? Non, 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 non. Non, nous devons vivre et mourir ici pour toujours. Mm-hmm. Nous ne pouvons pas retourner là-bas. Tu en dirais que tu as vu un fantôme. Oh, tu as vu un fantôme? Sabi, viens. Donne-moi ta main. Assieds-toi et dis-moi maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Il prévoit de tuer King. Ah, chut, ne crie pas. Oh, mon Dieu. Ne crie pas. C'est toi qui te comportes comme si tu avais un fantôme. J'ai envie de crier. Ne crie pas. Ne crie pas. Ne crie pas. Alors, que vas-tu faire? Nous devons attendre la prochaine action. Tu vois, nous n'allons pas laisser ça arriver. Tant que j'ai envie, personne ne va tuer King. J'ai envie de crier. Non, ne crie pas, ne crie pas, ne crie pas. Sois vigilante. Sois vigilante. Personne ne va tuer mon garçon. Personne ne va tuer mon garçon. Sois juste vigilante. Sois juste vigilante. Sois vigilante. Sois vigilante. Personne ne va tuer mon garçon. Sois vigilante. J'ai acheté ceci pour King. Rassure-toi de jeter toutes ces céréales dans la poubelle. Je suis sûre qu'elles ont déjà expiré maintenant. Et même si ce n'est pas le cas, jette-les et nourris-le avec ceci. Oui, madame. Où est King? Sabi le prépare pour l'école. Ok. Alors rassure-toi qu'il mange avant de partir. D'accord, madame.
est-ce que tu me regardes de la sorte? De toute façon, je leur ai donné notre propre boîte de céréales. Donc c'est fait. C'est juste une question de temps. Allez, courage. Ce n'est pas la fin du monde. C'est juste la fin du garçon. Hey. Que veux-tu dire par hey? Que veux-tu dire par hey? Quand tu commenceras à jouir de l'argent, crieras-tu hey, hey, hey? Allez! C'est avec ceci que tu vas nourrir King. J'ai acheté deux boîtes. Donc après cela, tu prends ceci et tu jettes ce qu'elle t'a donné. King, c'est ça que tu devras manger, ok? Pas l'autre. Ça, c'est ta nourriture. T'es content maintenant? Oh mon Dieu. Merci beaucoup, que Dieu te protège. Sabi, tu es vraiment intelligent. Le bon sens n'est pas commun. Merci beaucoup. Avec ça qu'on va te nourrir, d'accord? Tiens, c'est pour toi. C'est ma nourriture? Oui, ça c'est pour toi. Ça c'est pour toi. Ceci, pas du tout. Écoute, tu mangeras ceci. Maintenant, aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Voilà, mon garçon. Tu vas bien manger, d'accord? Je veux que tu manges bien. Super. Bon garçon. Ouvre ta bouche. J'espère que tu te régales. Hmm? King, ne vas-tu pas me saluer? Je t'ai dit, peu importe où tu te trouves, à chaque fois que tu me vois, salue-moi. Es-tu si enfantin? Tu as 3 ans, presque 4. Ici, c'est l'Afrique, pas l'Amérique. Partout où tu me vois, salue-moi. Hein? King, dis bonjour, tonton. Bonjour, tonton. Là, c'est mieux. C'est ça. Peu importe où ton père se trouve, il saura que j'essaye de bien t'élever. Hein? Salue-moi tout le temps. La salutation est notre tradition dans ce pays. Hein? J'ai fait mon travail, d'accord? Très bon garçon. Régale-toi. Ce garçon n'est pas malade.
calme-toi. Ça arrivera. 2 semaines? As-tu vu l'énergie avec laquelle elle a botté ce ballon? Sois patient. Patience. Nourris-le avec plus de céréales. Matin, midi et soir, au lieu des matins seulement. Obed. Et tu dis qu'il n'a jamais tué auparavant? Oh, allez, je ne le tue pas. Et je t'ai averti de ne plus utiliser ce mot. Nous nous débarrassons juste de lui. Obed. Tu n'as pas encore commencé à manger cet argent. Et tu me cries déjà dessus comme tu n'importe quoi. Oh, Julie, je suis stressée. Allez, concluons juste cette affaire le plus tôt possible. La dernière boîte qui nous reste. Nous devons acheter plus. Et elle a laissé des instructions que King devrait prendre des céréales 2 fois par jour. J'ai plus d'argent. Une boîte coûte 5 000. J'ai acheté 4 en 2 semaines. Hein? Tu sais que depuis que M. Thompson est mort, personne ne nous a donné un salaire dans cette maison. J'ai dépensé tout mon argent sur ma mère qui est malade au village. Alors, qu'allons-nous faire? N'as-tu pas d'argent? Même pas une économie. J'ai en ma charge 4 de mes frangins à l'école primaire. Mais je pense qu'on devrait appeler tante Vanessa, celle qui est aux États-Unis, et lui parler de tout ce qui se passe. Tu as son numéro? Elle appelle souvent sur le téléphone fixe pour parler avec Obed. Et elle parle avec King sur le téléphone d'Obed. De toute façon, nous ne sommes pas importants. Tu veux dire quoi par là? Laisse tomber. On va trouver un moyen. Passer 4 heures en route. Combien de temps faudra-t-il pour que j'atteigne 5 000 naira? Les gens n'ont pas d'argent ou ils ne veulent juste pas aider? Ceci ne marchera pas.
Je pense qu'on devrait en parler à quelqu'un. Non. J'irai bientôt à la police. Faire quoi? Mais ils vont t'arrêter. Personne ne m'arrêtera. Tu sais qu'Obed est un homme riche. Il a l'argent de M. Thompson. Et tout le monde le croira, mais personne ne te croira. Est-ce que ça t'importe que je sois arrêté? Ce n'est pas le moment pour ce genre de questions. Mon Dieu, oh mon Dieu, Obed, décroche ce téléphone. Ah! Ah! Décroche ton téléphone! Allô? Allô? Grand frère Obed. Vanessa? Je suis très contente. Je suis tellement excitée de t'appeler. Que s'est-il passé? As-tu gagné la loterie américaine? Grand frère, c'est plus qu'une loterie. Oh. Je veux dire que la loterie est un euphémisme. Je veux dire que les choses vont tellement vite concernant le fait d'amener notre neveu King pour venir ici aux États-Unis vivre avec ma famille et... Je viens juste de recevoir un mail de l'avocat qui est en charge de sa procédure d'adoption. Donc... ça l'est vraiment bien. Et avec peu de chance, il viendra bientôt me rejoindre. Oh, je suis content. Je suis content d'entendre ça. Oui, je suis également contente. Et je pensais venir au Nigeria dans un mois pour prendre les documents qui vont faciliter sa procédure d'adoption. Son acte de naissance. Tu vois, les choses comme ça. Ou alors, tu pourras me les envoyer. Non, non. Ok. En fait, non, non. Je viendrai là-bas moi-même. J'ai tellement envie de revoir ce petit garçon. Il me manque tellement. Oui, tu peux venir. Dans un mois, n'est-ce pas? Oui, dans un mois. Et comment va-t-il? Il est là avec toi? J'aimerais beaucoup lui parler. Il est en bon temps de dormir. Tu sais comment il est attaché à ce garçon de Sabinus? Son baby-sister ou son meilleur ami, depuis que ses parents sont morts. Oh, le pauvre petit garçon. Je peux comprendre. Ok, pas de souci. Si je ne peux pas lui parler maintenant, j'appellerai demain à 10h heure des États-Unis. C'est sûr qu'il serait déjà rentré des classes à l'heure là. Ok. Au revoir, Vanessa. Au revoir. Prends soin de ta famille et à plus tard. Bye. Hey. Hey. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Le monde est venu à sa fin. Quoi? Vanessa annonce son arrivée au Nigeria dans ce mois et elle prévoit repartir avec King aux États-Unis. Ne dis pas ça! Hey! Le sommeil est fini dans mes yeux. Chérie, peux-tu répéter ce que tu as dit? Il ne s'agit pas de répéter ce que j'ai dit. Tout doit être fait avant que Vanessa ne rentre. Et si elle retourne aux États-Unis avec ce garçon, ils basculeront le système tout entier et il verra bien. Et nos problèmes commenceront. Tu sais ce qu'il y a à faire, hein? Tu es venu avec cette affaire de nourriture de bébé. Hein? J'étais dans mon coin, m'occupant de mes affaires. Tu es venu avec cette histoire de tuer. Ah! Je n'ai pas tué auparavant et je ne suis pas prêt à tuer. Ah ah! Le mot c'est de s'en débarrasser, non? S'en débarrasser, tuer, c'est la même chose!
éliminer tout. Ah, mais on était d'accord. Toi qui étais d'accord. Toi et moi étions d'accord. Non, non, non. Julie, je ne l'ai pas fait avec toi. Ne jamais tu auparavant. Dorothy, prépare ceci pour King. Que se passe-t-il? Le petit est en train de perdre du poids. Vous ne le nourrissez pas bien? Obed n'est pas du tout content de sa mine. Maintenant, tu prépares ceci et tu m'appelles. Aujourd'hui, je vais personnellement le nourrir. Rassure-toi d'en faire en grande quantité. C'est compris? D'accord, madame. Je suis tellement désolée qu'il perde du poids. Je finis rapidement. Je vous le ramène pour que vous le nourrissiez. D'accord. Je t'attends à l'étage. D'accord, madame. Elle veut nourrir King elle-même. Elle a apporté ceci. Non, jamais. Mais il n'y a pas un endroit où nous pouvons acheter la nourriture pour lui donner nourrir King. Il n'y a plus de nourriture. Et je n'ai plus assez d'argent ici. Écoute, nous devons nous enfuir aujourd'hui, maintenant. Si tu t'enfuis, ça veut dire que je dois faire ma valise. Je pars dans mon village. Viens me faire ta valise rapidement. Ne laisse personne te voir. Non. Ils sont dans la chambre de M. Thompson en train de faire l'amour. Très bien. Si nous devons partir, ça doit être maintenant. Parce que si King mange cette chose, tout espoir est perdu. Donc vas-y, pars. Rapidement, je pars dans mon village et tu iras avec moi. Je te l'ai dit, ce n'est pas le temps pour toutes ces choses. Ce n'est pas le temps. Eh oh, écoute, n'oublie pas de prendre le téléphone fixe sur la table. Ok? Comme ça, dès que Tata Vanessa appelle et qu'il commence à nous chercher, nous lui dirons ce qui se passe. D'accord? J'ai compris. Dépêche-toi, mon garçon. Nous partons, nous nous enfuyons, ok? Je vais rassembler tes affaires. Se passe en bas. Tu devrais vérifier. Pourquoi ne vas-tu pas vérifier toi-même? Je dois me reposer un peu avant que Dorothée ne soit prête pour que je nourrisse le garçon. Va vérifier. Je ferai partie moi-même, mais je ne veux pas voir ce petit garçon. Son regard me rend la conscience coupable. Je ne veux pas changer d'avis. Ok, ok. Monsieur la conscience.
Je le ferai plus tard, quand Dorothée va m'appeler. Dorothée? Dorothée? Peut-être qu'ils ont amené King à l'école. Mais non, regarde. Regarde. Voici l'uniforme de King, regarde. Partout est en désordre, mais il n'y a rien dans cette chambre. Sabinus essaye de jouer ce mauvais jeu avec moi. Je vais le maudire. Calme-toi. Non, je vais le maudire. Calme-toi. Que penses-tu qu'il est arrivé? Comment le saurais-je? Tout ce que je sais, c'est que tout le monde a disparu. Je t'ai dit que j'entendais son nom et un bruit bizarre. Tu as refusé de vérifier. Mais nous n'avons rien dit à personne. Tu penses qu'il est au courant? Nous sommes très prudents. Nous n'avons rien dit à personne. Comment le saurais-je? Je ne sais quasiment rien. J'espère juste que ce garçon est dans un bon état. Et si ils avaient kidnappé cet enfant? Et si Sabi et Dorothée avaient kidnappé King? Et s'ils demandent de l'argent pour une rançon? Bon sang! Laisse-moi réfléchir! Quel genre de kidnapping? Quel genre de kidnapping viendra bousiller tous nos plans déjà très bien établis? Pourquoi ceci arrive maintenant? Pourquoi? Hein? Non. Cette maison m'appartient. Cette maison est mienne. L'argent avec lequel tu as été construite appartient à mon petit frère, dont tu m'appartiens. Calme-toi. Calme-toi. Ok, tu sais quoi? Attendons pour un temps. Peut-être qu'ils pourront rentrer ce soir. Je ne bougerai pas d'ici. Je ne bougerai pas. Cette maison m'appartient, je le déclare. Je le reçois. Amen. Non, cette maison doit être à moi. Amen. Elle m'appartient.
Oh Dieu. Okipo. Ouais. Es-tu sûr que je vais me faire beaucoup d'argent en dansant avec ce groupe? Écoute, Sabi, calme-toi. Crois-moi, écoute, tu vas te faire beaucoup d'argent. Parce que je dois me faire beaucoup d'argent pour prendre soin de mon garçon. Et aussi pour ma maman qui est malade. Écoute, Sabi, tu n'as pas à t'en faire. Tout d'abord, nous sommes contents que tu sois rentré ici au village. Tu comprends? Ton retour est une bénédiction pour nous. Et pour cette fraternité, tu vas te faire beaucoup d'argent. Sabi, tu nous as manqué, t'as pas aidé. T'es sûr? Oui, je te le jure. Il me faut beaucoup d'argent pour prendre soin de ce garçon. Ainsi que ma mère. T'en fais pas. Voilà, Sabi, écoute, il y a un truc que je comprends pas. Comment es-tu arrivé en ville? Et soudainement, tu es rentré avec ce garçon. Où est sa maman? Et êtes-vous divorcé ou quelque chose de ce genre? Une histoire pour un autre jour. Ok. Sabi, attends. T'énerve pas, d'accord? Je voulais te demander si tu ne serais pas rentré avec de l'agent de la ville. Une autre histoire pour un autre jour. Qu'est-ce que j'ai dit? Sabi? Monsieur l'officier, j'ai attendu pendant 48 heures depuis qu'ils ont disparu. Je crois que c'est assez suffisant pour signaler la disparition de mon petit et mignon neveu et déposer une plainte d'enlèvement contre Sabinus, le baby sister. Et pendant ces 48 heures-là, monsieur, le soi-disant baby-sitter-là ne vous a plus jamais contacté? Non, mais j'ai constaté qu'il a pris le téléphone avec lui. Mais à chaque fois que j'appelle, il ne décroche pas. Oui, sans doute, parce qu'il connaît votre numéro de téléphone. Donnez-moi son numéro de téléphone, je vais l'appeler, s'il vous plaît. Donne-le-moi. Hey! Sabinus, quoi tu es en train de donner à manger à un adulte ou à cet enfant? Ça, c'est la portion d'un éléphant. Non, maman. Je joue juste avec lui. Hein? Tu as apprécié la sauce. N'est-ce pas, c'est bon? Voilà. Hein? Mange bien, mon fils. Allô? Oui, Sabinus. En fait, je suis un officier de police. Bon, écoute-moi. Où est l'enfant que tu as kidnappé, Sabinus? Est-ce que tu veux de l'argent? Mais dis-nous ce que tu veux, Sabinus. Nous ne voulons pas que cet enfant soit blessé, s'il te plaît. Allô? Que s'est-il passé? Il a raccroché. Petit criminel. Oh mon Dieu, Sabinus! Sabinus! Quel est le problème? Ça sonne, mais le bon monsieur ne veut pas décrocher. Mais bon, son téléphone passe, et c'est déjà bien. Nous allons donc nous servir de cela pour le localiser et mettre la main sur lui en un clin d'œil. S'il vous plaît, officier, faites tout ce que vous pouvez. Je vous en supplie. Vous pouvez me faire confiance, monsieur. Faites-moi confiance. Tenez. Sabinus, petit criminel. Sabi. Maman. Tu es sûr que tout va bien? Mm-hmm. Qui vient de t'appeler? Maman, t'en fais pas. Je te le dirai quand ta santé s'améliorera. Je te dirai tout. Ah, tu fais quelque chose de méchant. Ça, c'est un garçon. Sabi. Madame. S'il te plaît, prends bien soin de mon fils pour moi. Je le ferai. Le sortant. Ok, tu peux partir. Ne vous inquiétez pas. Sabi. Monsieur. Prends soin de mon fils. Ok, je le ferai. Et aussi de la maison. Ok, monsieur. Ok, allons-y. Oh. Thank you.
Toby, raconte-moi l'histoire du lion. L'histoire du lion? Le lion était un homme. Il aimait boire du sucre. Il... Je connais pas l'autre là, j'ai oublié. Chante Twinkle Twinkle Little Star. Twinkle Twinkle Little Star. Twinkle Twinkle Little Star. Ok, laisse-moi chanter. Comme ça, tu pourras dormir, d'accord? Hein? Tu veux dormir? Ok, debout. Obi Kerenke, Obi Orenke, Obi Kingi Wekoma, Obi Kerenke, Obi Kingi Wekoma, Obi Kerenke, Obi Kerenke, Obi Kingi Wekoma, Obi. Mais tu ne dors pas? Obi Kerenke, Obi Kingi Wekoma, Obi Kerenke, Obi, Obi, Obi Kingi Wekoma, Obi Kerenke, Obi, Obi Kerenke, Obi. Tu ne dors pas? Obi Kerenke, Obi. Tu vas pouvoir dormir. Obi, quel rinque, Obi. Il ne décroche toujours pas son téléphone. Hein? Mais est-ce que tu as déjà un signal de lui au moins? Oui, très fort. Nous sommes proches de là où il est. Oh, ça c'est bien, c'est bien. Monsieur Sabinus, de votre déclaration ici, vous avez dit que Monsieur Obed et sa petite amie prévoyaient d'éliminer le petit garçon King. Oui, monsieur. Et comme ça, ils pourront hériter de tout ce que son père a laissé avant de mourir. Oui, monsieur. Très bien. Et ton unique témoin, c'est une ménagère ou une cuisinière qui s'est enfuie dans son village. Et tu ne connais pas ce village. Oui, monsieur. Tu as aussi dit que tu as les preuves. Et que tu jetais souvent la nourriture des bébés empoisonnée sous le lit. Oui, monsieur. Et que nous pouvons le vérifier de nous-mêmes. Officier. Monsieur. Voici une information très intéressante. Donc, avant que nous poursuivions cette affaire, je veux que tu mettes en place une bonne équipe d'officiers. Bon, allons-y. Allons-y fouiller cette maison pour voir... Si nous allons trouver des céréales de bébés empoisonnées.
D'accord? Bien, monsieur. Il partira aussi avec nous et... Mais où est ton neveu? Où est l'enfant là? Monsieur, il se trouve avec le sergent Glory. Elle est en train de le nourrir. Ah, ok. L'enfant partira avec nous. Et lui, il est obligé d'être là aussi. Tu sais que c'est lui qui doit nous montrer où ces boîtes de céréales de bébés empoisonnés se trouvent. D'accord, monsieur. Vous pouvez disposer. D'accord. Avance! Allô? Bébé, régale-toi. Il est belle. L'argent est bien, pas la vie. Allô? Officier? Comment allez-vous? Nous nous régalons. Oui, montez-vous, il y a un problème. Oui, il y a un problème. Sabi a dit que vous lui avez donné de la nourriture empoisonnée pour qu'il donne au petit garçon. C'est pour cette raison qu'il s'est enfui. Il a décidé de s'enfuir avec le petit garçon pour l'empêcher de mourir. Il a dit qu'il vous a entendu discuter avec votre femme. Donc, il utilisait son argent pour acheter la nourriture pour bébé. Et jetait celle que vous lui donniez sous son lit. Mon Dieu. Est-ce vrai? Non, ce n'est... Tu sais comment ces choses arrivent. Nous... Pour ne pas s'engager dans... Ah, mon type, calme-toi. De toute évidence, ça a l'air d'être vrai. Voilà pourquoi je me suis caché pour t'appeler. Parce que l'officier arrive avec une équipe pour effectuer une fouille. Oui, donc, ce que je veux que vous fassiez maintenant, c'est d'aller immédiatement dans la chambre de Sabinus. De fouiller partout, surtout sous le lit. Retirez tout ce qui pourrait vous incriminer. Et donc, lorsque nous viendrons, nous ne verrons aucune preuve. Ok, mais oui, mais en fait, je veux que vous sachiez que lorsque tout ceci sera terminé, vous allez me remettre 10 millions de naira. 10 millions, hey! Je répète, 10 millions de naira. D'accord? Ok, d'accord. Si vous ne le faites pas, Dieu vous crèvera les yeux. Et moi, je vous ferai la peau. Merci. Ok. Jouez juste votre rôle, oui. Oui. Dépêchez-vous. Oui. Dépêchez-vous. Au revoir. Mon bébé. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Nous avons des ennuis. Ce garçon de Sabinus, court comme il est, mais il a un grand cerveau. Il écoutait tous nos échanges. Il est au courant de nos plans. Les policiers sont en train d'arriver pour fouiller cette maison. Mon Dieu. Donc on m'a appelé. Allons enlever toutes ces boîtes. Ça fait du bien de vous revoir. Ouais. Et que me vaut cette visite? Eh bien, le suspect dans sa déclaration a fait de sérieuses allégations contre vous. J'ai ce mandat pour perquisitionner la maison. Avec tout le plaisir. Et que serez-vous en train de chercher? Des boîtes de céréales pour bébés empoisonnés. Si nous les trouvons, nous allons les ramener du côté du laboratoire médico-légal pour qu'on puisse vérifier si elles sont empoisonnées ou pas. Votre neveu restera avec nous pendant que nous effectuons la fouille. Allez, toi, vas-y, conduis-les dans la chambre. Non, laissez l'enfant. Thank you.
seront dans la maison. Nous ne bougerons pas. Nous n'irons nulle part. Nous resterons dans cette maison. Ok. Ding. Viens. Non. Monsieur, la fouille a été complète. Nous n'avons rien trouvé. D'accord. Bon, monsieur Sabinus, est-ce que vous êtes maintenant satisfait? Est-ce qu'il y a un endroit où ils n'ont pas pu fouiller? Bon, nous allons vous inculper devant un tribunal afin que vous fassiez face à la colère de la loi. Sottise, es-tu en train de parler? Que veux-tu dire par... De quelle sottise est-ce que tu parles? Que veux-tu dire par sottise? Emmenez ça où vous voulez. Tu ne sais pas ce que laboratoire médico-légal veut dire? Officier, excusez-moi. Monsieur Aubin, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre. Et vous avez le droit de garder le silence. Toute déclaration que vous ferez maintenant sera retenue contre vous devant un tribunal. Officier Samuel, démenotez ce monsieur et menottez cet homme. Officier, patientez un moment. Officier Samuel ici est celui qui m'a alerté me disant que vous allez venir fouiller la maison pour acheter les boîtes de céréales. Pour un bénéfice de 10 millions de naira, comment se fait-il que c'est lui qui me menotte? Est-ce que c'est vrai? Ferme-la! Toi, ferme-la! Quand est-ce que je t'ai appelé? C'est un enregistrement de tes appels! L'officier, regardez-moi ce lien! Retirez-lui son arme. Et toi, menotte-le. Regarde-toi maintenant. Tu sais à quel point j'étais intelligent. Ce sont les officiers comme toi qui donnent une très mauvaise image aux forces de l'ordre. Hé, officier Samuel, je vais me rassurer que tu payes pour ça. Toi, prends la garde de ce monsieur. Allez, allons-y. Je pense que nous avons tout. Officier, ce n'est pas moi. Avancez. Viens, avancez. Dépêche-toi. Avancez. Dépêchez-vous.